Bonjour à tous, bienvenue sur HVM6. Donc avec ce tuto, je vais revenir un petit peu sur la version 2.8 de Blender. Et on va voir donc différents éléments. On va voir beaucoup de choses avec ce tuto. Il risque d'être un peu long parce que non seulement je vous propose de modéliser un vase comme celui-là, hein, donc il n'y aura pas l'aisance, mais bon, au moins on va voir qu'on va utiliser beaucoup d'outils pour pouvoir réaliser cet objet. Et puis également, on va voir donc comment pouvoir faire des images en utilisant les matcaps ici. Donc on va voir que dans les réglages ici il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. On peut maintenant donc obtenir donc des images, des rendus avec les matcaps en utilisant ici dans les rendus ici donc le mode donc Workbench, et puis donc on peut faire des réglages ici et donc obtenir les images que l'on a réglé ici, hein, vous voyez que j'ai fait un rendu que l'on a réglé donc préalablement dans ce mode ici. Il suffit de répercuter toutes les valeurs sur ce tableau-là pour pouvoir sortir donc des rendus d'images et puis ensuite ben, enregistrer vos images. Alors c'est intéressant parce qu'on peut utiliser les matcaps et donc on peut faire des rendus du mode ici donc du mode solide, hein, en ayant modifié. Alors, il y a plein de réglages, on va voir, on va faire mémuse avec ça. Donc au passage, avant de commencer quand même, je vais pour ceux qui me suivent, si vous êtes abonnés, hein, si vous me suivez dernièrement, donc on a fait des avions, hein, et j'avais prévu de modéliser la navette. Alors la navette spatiale Challenger, et donc bon, je l'ai modélisé, mais le problème c'est que en termes de complexité par rapport à la verrière, hein, la verrière est assez compliquée à modéliser. Donc, c'est pas vraiment un tuto pour débutants, ni même pour. Il faut déjà avoir un peu de bouteille, j'ai envie de dire, pour arriver à modéliser la verrière. Donc, ce que je ferai probablement, je vous proposerai en téléchargement certainement la verrière un peu plus tard. Parce que moi je n'ai pas encore complètement fini, vous l'aurez en téléchargement pour ceux qui vont vouloir modéliser cette navette et arriver au bout, hein, parce que là franchement c'est pas facile. Et puis donc en compensation, ce que je vais vous proposer après dans un prochain tuto, c'est de modéliser bah, Concorde tout simplement en compensation avant de finir la navette. Donc on modélisera pour ceux que ça intéresse Concorde, voilà. Donc je vais partir sur une fenêtre neutre donc de Blender 2.8 et puis on va commencer par modéliser ça et ensuite on va aller s'amuser dans les réglages ici et faire des rendus dans différents modes. Voilà, donc moi j'ai la version 2.8, la dernière version donc du mois d'avril, hein. On est le 23 avril et donc voilà, j'ai installé la dernière version, donc qui est toujours la version 2.8 de bêta de Blender. Alors, on va voir, donc on va utiliser beaucoup d'outils pour faire ce vase. Et pour faire ce vase, on va commencer déjà par aller. Alors je vais aller doucement hein, pour que tout le monde puisse suivre correctement. Donc je vais dans Mesh ici, ajouter donc un cercle. Je vais me mettre en vue dessus. Puis je clique sur Tab pour aller me mettre en mode Edit. Donc attention, ce n'est pas forcément un tuto pour débutants. Maintenant, ça n'empêche pas aux débutants de tenter l'aventure, hein. Mais bon, il faut avoir compris certaines petites choses quand même, avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, j'ai mis un cercle, je suis en mode Edit. Je sélectionne tout A. Puis je vais désélectionner ici en allant donc désélectionner en damier. Là, désélectionner en damier, un clic gauche, puis je vais réduire cette surface. Donc je fais surface et je bouge ma souris pour venir réduire ici cet ensemble. Je vais laisser garder cette sélection et je vais faire CTRL SHIFT B. CTRL SHIFT B. Donc là, automatiquement, on voit que ma souris est venu. Donc après on peut lâcher tout hein, une fois qu'on a fait ça et je vais bouger ma souris et rajouter des rayons. Donc là on voit ce que ça s'est dédoublé hein, et je vais rajouter des rayons, on va dire voilà, je rajoute donc 4 rayons par élément en faisant tourner la roulette de ma souris. Si je fais tourner la roulette de ma souris, voilà, en même temps vous voyez que je rajoute des vertices
Et donc là, je commence à obtenir des courbes. Et là, si je bouge ma souris, voilà, je peux étaler donc la sélection. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas trop l'étaler. Voilà, un clic gauche, je libère, c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner ces vertices-là qui sont autour. Voilà, et je vais faire exactement la même chose en faisant. Donc je les sélectionne un par un. J'ai appuyé sur Shift en continu, ok. Ctrl Shift B, je lâche et je bouge ma souris. Voilà. Et là, automatiquement, j'ai 4 vertices qui sont venus se positionner puisque à la base j'avais sélectionné 4 vertices. J'ai plus qu'à faire un clic gauche et pour libérer. Voilà. Donc là, j'obtiens ça. Je vais me mettre en vue 1. En vue 1. Puis, ben, je vais tout sélectionner A et extrude. Donc, je bouge ma souris. Là, j'ai bougé ma souris. J'appuie sur ma roulette, un clic roulette. Donc là, ça vient réaxer mon ensemble. Là, je ne peux plus bouger. Maintenant, si je fais ça, ça ne marche pas. Hein. Maintenant, ça va marcher que sur l'axe Z. Donc, un clic gauche, je libère, puis surface. Donc là, j'obtiens ça. Ensuite, toujours en vue 1, je vais rajouter un rayon ici. Donc, pour ajouter un rayon, CTRL R, un clic droit, oui, surface, pour venir gonfler ici l'ensemble. Et là, donc, pour pouvoir avoir une bonne vue de ce qui va se produire quand je vais avoir fini, je vais déjà maintenant aller ici rajouter un modificateur subdivision de surface là. Voilà, je vais mettre 2, ça suffira pour le moment. Et puis également adoucir l'ensemble. Alors là, le fait de l'adoucir, on va voir que ça va donc créer des déformations, enfin pas des déformations mais des changements de face, des ombres bizarres. Alors on va faire ça. Donc là je vais dans mesh, ombrage, faut que je sélectionne tout le bord. Je sélectionne tout, mesh, ombrage, smooth, face, et voilà ce qui se passe. Là, on voit que ça ne s'est pas adouci comme on voudrait que ça s'adoucisse. Donc, pour pouvoir l'adoucir, je vais revenir en mode objet. Et je vais, en mode edit, pardon, je recommence, mode edit, donc en ayant tout sélectionné. Ensuite, je vais dans mesh, et là, je vais aller donc dans normal, et je vais recalculer l'extérieur, là. Voilà, donc maintenant, on voit bien que, quand je me mets en mode objet, voilà, les faces ont la bonne couleur, et ça a pris donc, là c'est nickel, je vais pouvoir donc maintenant, par exemple, je vais pouvoir faire le pied, donc je peux sélectionner ici la base. Je vais retravailler un petit peu la forme, surface, pour avoir quelque chose au plan. Je commence, surface, voilà, j'étale un peu. Puis, extrude surface, par exemple. Alors je pourrais garder ça, puis refaire extrude surface, puis W. Là, je vais revenir à une base de cercle pour garder cette forme à la base là. Donc là, je vais me repasser dans. Je clique sur le W, puis je vais dans Loop Tool et là, je vais faire cercle là. Donc là, je me retrouve avec un ensemble donc qui est circulaire et puis je vais commencer à modéliser le pied. Donc extrude. Alors. Alors une chose, tiens, dont m'a fait part un abonné de la chaîne, c'est, j'ai perdu son nom. Donc on retrouve ici dans les réglages la possibilité donc de régler. Je vais me remettre dans le mode edit, au passage, mode objet, pardon, pendant que j'y suis. Hein. Voilà, on retrouve ici cette pour les gizmos ici. Hein. Voilà. Pour les gizmos, donc on peut régler la taille à partir d'ici. Hein.
Donc la possibilité de modifier les éléments, de mettre un gizmo par défaut, etc. Donc voilà, ça c'est la dernière version. Donc je retourne ici en mode edit. Voilà. Alors extrude, je vais reprendre par exemple. Voilà, je vais lui faire un petit pied. Allez, extrude surface, puis extrude. On va faire une petite forme, puis extrude surface 0, ES 0. Alors voilà ce qui se passe ici, parce qu'il faut enlever les doublons. Hein. Donc voilà, je vais retirer les doublons. Pour retirer les doublons maintenant dans cette version-là, on va ici dans Mesh, et puis nettoyer, et ensuite enlever les doublons. Voilà, donc j'attends un peu. Parce que là il y a beaucoup, voilà, et là on a vu que ça c'est revenu normal. Hein. Alors là par contre, maintenant dans cette version là, si je rajoute un rayon ici, d'ailleurs j'aurais dû le faire avant, je vais rajouter un rayon de tension ici, là voilà. Alors moi ça rame un peu parce que j'ai, voilà. Voilà, je vais resélectionner celui-là, double G. Je le ramène ici, hein. Voilà. Et donc on avait ce problème avec ici donc des déformations de surface. Là maintenant apparemment lorsque l'on sélectionne l'ensemble, si je me mets en mode face en cliquant sur le 3, hein, si je clique sur le ici, regardez, si je clique sur le 1, non pas de mon pavé numérique mais des chiffres qui sont au-dessus des lettres sur mon clavier, je peux sur le 1 passer en mode vertice, sur le 2 passer en mode arête et sur le 3 passer en mode face. Donc je vais sélectionner ces faces ici, toutes ces faces là, et donc la déformation on va la voir, je vais quand même vous la faire voir. Je retourne en mode objet, voilà. Et alors là c'est très bizarre parce que là je ne l'ai pas. Bon, enfin, si vous avez donc des... Ah, peut-être si quand je vais épaissir, ça fait rien. Donc là, on peut faire flatten quand on a un problème comme ça. Vous allez donc dans le loop tool ici, et vous cliquez sur flatten, voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des marques là, bizarres. Bon, alors ici, après, je pourrais m'amuser à faire des rebords. Par exemple, je vais me remettre en mode arrête ici. Hein. Voilà. Double G. Je vais abaisser celle-là. Ici, je vais peut-être faire alors un contrôle B. Je vais essayer de 1. Ah, ça rame. Voilà. Ah, il va rien savoir. Donc là, j'ai. Ah, voilà. Je recommence, contrôle B, et patienter. Voilà. Un clic gauche, je libère. J'ai biseauté. Hein. Donc là, je peux aller régler, je peux aller faire des réglages. J'ai envie d'inverser. Superposition. Profil. Voilà, j'ai envie d'aller changer le profil. Je vais creuser le profil ici. Au lieu d'avoir un profil gonflé comme ça, hop, voilà, je vais faire un profil comme ça. Je vais faire pareil ici, je vais sélectionner ici cette arête là, et je vais lui coller donc un biseau. Donc contrôle B, je bouge légèrement ma souris et j'attends. Donc là, le renversement, bah, il s'est fait automatiquement. Hein. Voilà. Alors en mode objet, bah, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai un petit rebord en bas. Et puis le haut, bah, je vais évaser un peu le haut du vase. Hein. Mode edit. Je vais retravailler le haut maintenant. Vue 1.
Extrude. Surface. Voilà. Allez, je vais garder ça comme ça. Et je vais solidifier dans l'ensemble, donner une épaisseur. Je vais le gonfler un peu plus là, surface vue 1. Donner un gonflement un peu plus sympa. Là. Voilà. On va partir sur cette base. Et puis, ben, on va passer ici dans les réglages des couleurs. On va s'amuser un petit peu avec les matcaps, avec tout un tas d'éléments. Donc, je vais commencer par lui donner une épaisseur. Pour lui donner une épaisseur, je vais donc. Je me retourne dans mode edit, je sélectionne tout. Donc là, ça risque de ramer, hein. Alors en plus, je pense que le fait de qu'il soit pas vraiment installé, ça doit aussi contribuer à ce que ça rame à mort. Par contre, j'ai beaucoup installé beaucoup d'addons. Donc ça aussi, c'est pas très très bon. J'ai commencé à en désélectionner un peu. Alors, au passage, pour ce qui concerne les addons, vous avez ici. Dans cette fenêtre, où c'est qu'elle est, ça doit être là. Non, c'est là. C'est pas ça. Ah oui, oui, pas dans ce mode-là. En mode objet, pardon. En mode objet. Ici, vous avez, voilà, vous avez une liste de tous les addons que vous avez donc cochés dans les préférences utilisateurs. Donc lorsque vous cochez ici filtre addon, vous pouvez sélectionner les addons dont vous allez vous servir. Par exemple, si je prends Loop Tool ici, il n'est pas coché. Donc si je fais W et que je cherche Loop Tool, bah il n'y a pas de Loop Tool. Si je vais me mettre dans le bon mode quand même. Voilà. W. Et on voit, il n'y a pas de Loop Tool. Maintenant, si je coche. Voilà, ça permet donc d'activer les addons au fur et à mesure. Alors ça doit être fait à la base pour éviter de ramer, hein, probablement. Et là on voit que je retrouve Loop Tool ici. Hein. Si je décoche, il n'y est plus. Et si je recoche, il est là. Voilà. Donc voilà, si vous. Je pense que ça doit être fait pour ça, hein, je suis pas certain, mais c'est pour éviter de ramer, de faire des sélections. Plutôt que d'avoir tous les addons donc en fonction. Donc alors on va, je disais, épaissir notre objet en allant dans face, puisque là c'est les faces qu'on va solidifier. Vous cliquez sur solidifier et surtout vous attendez, vous bougez plus rien du tout, vous attendez que ça se passe. Donc là, parce que moi j'ai encore une fois, hein, ça rame un petit peu, voilà. Et là, je vais pouvoir maintenant ici aller dans cette fenêtre et modifier éventuellement l'épaisseur. Alors là, il faut mieux taper un chiffre. Hein. Alors moi, je vais mettre 0,05. 0,05. Vaut mieux taper un chiffre plutôt que d'essayer de bouger la valeur. Voilà, donc j'ai fait un clic gauche. Maintenant, j'attends que ça se. On va voir que ça va se mettre en place. Voilà, c'est venu s'épaissir légèrement. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans. Voilà, il est légèrement épaissi. Je vais juste rajouter un rayon, une poignée de rayon ici. Voilà, pour donner une épaisseur. Pour qu'on voie bien, voilà. Là, ça joue une petite épaisseur. Voilà, donc si vous voulez faire après des anses, hein, ben, faut se mettre en vue 3, aller sélectionner ici au milieu, hein, en mode edit, voilà. Aller sélectionner des faces, ces faces-là, là. Donc d'un côté et de l'autre côté, faire une extension de surface, et puis avec le i, vous faites donc des faces internes, et puis vous supprimez les faces internes pour les faire. Donc là, je ne vais pas les faire parce que là,
Autrement, le tuto va durer très longtemps. Donc, je vais me remettre ici. On va aller faire muse ici avec donc les rendus, le mode de rendu différent. Je vais me remettre en objet. Alors, on voit qu'ici, on a ici donc la possibilité d'utiliser par exemple ici les matcaps. Donc, si j'utilise les matcaps, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis dans le mode ici solide. Et si j'utilise les matcaps, voilà, je peux donc aller ici et puis sélectionner différents matcaps. Voilà ce que ça donne. Alors, le problème qu'on avait, c'est qu'on pouvait pas faire des rendus corrects avec, avec les anciennes versions de Blender. Là, vous allez voir que, voilà. Par exemple, si je prends celui-là, si je veux faire un rendu de ça, je vais aller ici sélectionner. À la place de EV, donc vous cochez sur cette icône ici, vous cliquez sur cette icône, puis à la place de EV, vous mettez Workbench ici, voilà. Et puis normalement, donc en reprenant les réglages qui sont ici, hein, si vous avez fait des réglages ici, et vous pouvez donc vous en resservir. Donc ici maintenant, je vais pouvoir aller sélectionner le même matcap, donc je clique sur matcap. Voilà, je vais aller mettre une caméra, pas de caméra évidemment, pas de rendu d'image, non pas ajouter un haut-parleur, parce que je n'ai pas ajouté un haut-parleur X, ajouter une caméra là, voilà, la caméra je vais la positionner sur mon vase, CTRL ALT 0, voilà, et maintenant je vais faire F12. Donc normalement, si tout se passe bien, je devrais retrouver mon vase. Alors ça met un certain temps. Hein. Voilà. J'ai un rendu donc du matcap. Alors là, c'est intéressant parce que bon, il y a des différents réglages. On a différentes possibilités. Donc là, je pourrais régler dans les ombres, etc. On va le faire d'ailleurs. Je vais aller donc alors le studio, évidemment le studio fonctionne pareil. Hein. Voilà, si je fais ça, bah, on va faire un rendu, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais revenir là. Bon, à plat c'est à plat, hein, c'est voilà, il n'y a rien du tout, hein, à part que à plat on peut après jouer avec les ombres, je crois. Non d'ailleurs j'ai des bêtises. Alors ensuite, donc le rayon X hein, pour voir à travers. Donc les ombres, on peut modifier les ombres ici. Donc là on a vu ce que ça donnait, je vais alors là je vais pour savoir ce que ça donne exactement, je vais aller ici. Hein, je vais carrément, à partir de cette fenêtre là, je clique sur ombre et on voit bien ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, si je mets beaucoup d'ombre, par exemple, là je suis à 0,758. Si je remets la même valeur ici, 0,758, 0,758, et bien dans le rendu, je vais obtenir la même chose. On va faire un F12, voilà. Donc en fait, si on regarde bien, vous avez une fenêtre où vous pouvez vous amuser à bricoler ce que vous voyez hein. Et pour avoir le rendu, ben voilà, pour avoir le rendu exact qui correspond, il suffit simplement de retaper les mêmes valeurs que vous avez donc sélectionnées ici, les reporter sur cette fenêtre là. Donc pour le moment j'ai rien trouvé de mieux comme explication, parce que moi je suis comme tout le monde hein, je découvre, donc je vous fais profiter de mes découvertes en fait hein. Alors il y a peut-être d'autres moyens de transférer les valeurs, les réglages de cette fenêtre là directement à celle là pour l'instant j'ai encore pas trouvé. Donc je vais aller maintenant cliquer ici. Donc là on voit bien que ici en ayant cliqué ici cavity, vous allez voir que on a des dans la brillance, apparemment on a des éléments. Voilà. On a la possibilité de faire des réglages différents à partir d'ici. Donc là, moi, pour l'image, donc je vous ai montré en début de tuto, j'ai utilisé ici
J'avais pas choisi monde, j'avais choisi les deux. Alors, je pense que ça modifie grand-chose, mais enfin bon. Là. Donc là, ça joue sur les ombres. Hein. Donc profondeur de champ, là on peut la mettre ici. Voilà ce qui se passe si on met la profondeur de champ. Hein. Il y a un flou, donc il ne faut pas la mettre là non plus. Hein. Allez, je vais m'amuser à modifier ces valeurs-là. J'avais trouvé à quoi ça correspondait. Maintenant, j'ai un peu perdu le fil. F12. Là, je vois pas grande différence. Pourtant, l'espace-monde. Alors, un truc, si, un truc qui va être intéressant, c'est dans le rendu avoir le fond noir. Alors, pour avoir le fond noir, ben là, dans ce mode-là, donc un workbench ici, workbench, ici, on va aller donc dans le monde, voilà, dans le monde, et ici, voilà, on peut donc modifier la couleur du monde. Donc ici, si je me mets en noir, voilà, quand je vais faire un rendu, je vais avoir donc mon vase en noir, F12, enfin bon, le fond noir. Donc là, on n'a plus la possibilité de mettre une image, hein. Par contre, on a la possibilité de modifier la couleur du fond. Voilà. On voit que ça peut être intéressant. Alors, ça n'a pas, je crois, d'incidence sur le. Ça n'a pas d'incidence sur la couleur du vase. Le vase, il faut simplement que je remette quelque chose de plus clair ici. Donc, je vais aller rechercher et voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va me modifier ma couleur ici. Ah oui, les ombres, suis-je bête. Donc voilà, les ombres, je vais les mettre là et je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà, j'ai mis trop d'ombre. Donc avec un fond noir, ça fait pas terrible. Donc je vais refaire un F12 ici. Et là, normalement, je devrais voir mieux mon vase avec un fond noir. Voilà. Donc on voit qu'il est nettement plus clair. Je vais carrément le mettre, baisser encore les ombres. Faire un F12. Donc là déjà on voit que bon, il y a des choses quand même intéressantes en côté rendu avec ce mode-là, rendu d'image. Voilà. Sympa. Je vais changer carrément le matcap. Donc le matcap, alors si je le change ici, ça changera rien ici dans le rendu. Hein. Si je veux que ça change dans le rendu, il faut que j'aille modifier le matcap ici. Donc moi, pour le vase, j'avais choisi celui-là. Alors on voit que là, j'ai choisi ce matcap-là. Et quand je vais faire un rendu, j'aurai cette couleur-là et pas celle-là. Alors je vais faire un rendu, voilà, F12. Donc vous avez toujours la possibilité évidemment d'enregistrer vos images. Voilà. En allant ici sur Images, hein, enregistrer sous, voilà, vous donnez un nom et vous enregistrez vos images. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Là, c'est bon, rien de particulier. Bon, là, pour la couleur du fond, hein, on peut évidemment toujours avoir le fond noir en allant donc. Donc en mode objet ici, si je veux avoir le fond noir, que je dise pas de bêtises. Oui, donc c'est dans le mode rendu. Hein. Il faut aller ici dans le mode rendu. Si je veux avoir le fond noir. Par contre, il y a un truc, si on doit pouvoir avoir le fond noir, à partir d'ici, je dis pas de bêtises. On devrait pouvoir avoir le fond noir. Alors, oui, en allant ici, donc dans arrière-plan monde, voilà. Et donc là, j'ai le monde qui est noir.
Donc dans la vue 3D, je peux choisir la couleur du fond, ici. Voilà. Ça aussi, ça peut être intéressant, par exemple. Voilà. Alors je vais faire un rendu, je ne dois pas l'avoir. Non, je ne l'ai pas dans le rendu. Par contre, si je veux faire modifier la couleur du fond à partir donc d'ici. Donc là on voit que non. Objet, attends, non. Donc là le fond, si je peux modifier le fond en allant. Alors là, je vais quand même faire un rendu pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça a une incidence sur le rendu? Je pense pas. Normalement, ça serait pas logique. Mais bon, faut se méfier de la logique avec Blender. Donc non, effectivement. Donc là, si je voulais avoir un fond vert dans mon rendu, il faudrait que j'aille dans le monde ici et que j'arrive à chercher donc une couleur verte. Et là, normalement, je dois avoir un rendu avec un fond vert. Alors, est-ce que le fond va avoir une incidence sur la couleur du vase? Parce que là aussi, c'est intéressant de voir ça. Non, aucune incidence. Bon, ben voilà. Par contre, je pense qu'on devrait, on doit pouvoir faire en sorte, je pense que ça ait une incidence. Mais pour l'instant, je n'ai rien de trouvé, rien trouvé qui me permette de faire ça. Bon alors là bon voilà hein. Rayon X hein. Rayon X bah voilà vous voyez les à travers hein. Et de face donc là si je mets rayon X on va le faire aussi de ce côté là voilà rayon X hop et on va faire un rendu on va voir ce que ça donne alors là ça a moins de d'efficacité je pense j'ai trouvé enfin j'en ai déjà fait un hein. Évidemment avant de commencer le tuto. J'ai trouvé moins d'efficacité sur quoique, oh si, quand même. Bon, ce que j'avais fait donner un peu moins d'efficacité que ça. Donc là, on voit qu'évidemment, ça a supprimé les ombres. Hein. Donc là, c'est pareil. Là, on va voir ce que, si vous voulez voir ce que ça, à quoi ça correspond, vous allez ici, et vous allez simplement, voilà. Et vous regardez votre image, vous voyez, là. Donc là, j'ai de la brillance. Donc le curling des faces et la brillance arrière et avant voilà. Et là je reviens donc à la aux ombres initiales là on a la possibilité alors on va jouer avec ce, avec ça ici de modifier le parce que l'angle ici donc de l'éclairage. L'angle de l'éclairage. J'étais où moi? Ça y est, j'ai perdu le fil. Ah oui, ça y est. Donc je disais, ici, voilà, on a la possibilité de modifier. L'éclairage hein. Les couleurs donc après il faut aller s'amuser hein. Là il faut aller modifier les valeurs et regarder ce qui se passe hein. Vous pouvez bouger les sphères comme ça donc là ça va forcément modifier les matcap hein. Enfin studio hein. L'éclairage studio par contre on va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai touché à quelque chose? Je sais pas. Ouais, non, ça n'arrive, j'ai rien modifié, sauf que là, comme j'avais sélectionné ici, j'ai sélectionné rayon X. Bon, voilà. Donc ensuite, donc ici, couleur unique. Donc couleur unique, ça veut dire ce que ça veut dire. Couleur unique, ben voilà. Hein. Je vais mettre un vase bleu. Ben, il va être bleu, mon vase. Hein. On va faire un F12, voilà.
normalement. Alors, est-ce qu'il va bénéficier de la brillance et tout ça? Je vois, ben, nickel, hein, il n'y a pas de problème. Donc là encore, des rendus qui sont intéressants, hein, avec des ombres. Voilà. Donc là, on voit par exemple, attention, donc, ben, moi j'ai subdivisé le vase. Donc là, ici, j'ai rajouté un modificateur subdivision de surface. On va aller chercher ça. Ah oui, il faut que je sélectionne le vase quand même, voilà. Donc dans le rendu, voilà, pour avoir un beau rendu, hein, donc l'idéal, voilà, c'est d'aller à 3, hein, qualité 3, pour avoir des rendus propres. Quand c'est possible, hein, parce que vous avez des fois des machines qui ont du mal à supporter autant de subdivision, hein, pour avoir, voilà, des contours propres. Et encore là, j'ai encore, oui, encore, il faudrait que je mette à 4 quasiment pour avoir quelque chose de très très propre. Mais bon, déjà on a déjà quelque chose de quand même plutôt pas mal. Voilà, donc bon, bah je vais pas aller beaucoup plus loin, puisque là on a vu un petit peu tout là. Après, bon, bah, il vous suffit d'aller vous amuser, hein. Donc là, voilà, d'aller faire joujou ici dans les fenêtres. On a vu à peu près ce qu'il y a intéressant de voir. Donc il y a des éléments, moi, j'ai pas encore sur lesquels j'ai pas encore développé ou trouvé forcément l'utilité. Bon, là, quasiment pratiquement tout, hein. Ce qui va m'échapper, c'est le type de monde là. Alors j'ai pas bien saisi. Alors moi j'ai mis les deux. Alors les deux, j'ai pas bien saisi à quoi ça servait les deux, parce que je vois pas franchement beaucoup de différence. On va faire un rendu quand même, histoire de voir. Vais faire deux rendus, hein, voilà. Donc ça, j'ai ça, vous voyez. Et donc bon, bah là, je repère bien la tête que ça a, hein. Ok. Et maintenant, à la place de les deux, je vais mettre monde et faire un F12. Voilà, et j'ai franchement rien, pas trouvé de différence. Donc il va falloir que je travaille là-dessus, je vais chercher. Donc dans les prochains tutos, je vous ferai part de mes découvertes, ou s'il y en a un d'entre vous qui a compris à quoi servait, donc ici Cavity. Que manifestement, tiens, je vais aller voir ici, le décocher. Ah oui, si ça joue sur les ombres. Hein. Bon, bah voilà, je viens de comprendre à quoi ça servait. Ça joue sur les ombres. Et là, si je mets écran, oui, ça joue aussi sur les ombres. Bon, ouais, bon, voilà. Voilà. Bon. Donc, apparemment, ça modifie les ombres. Donc, probablement l'emplacement de l'éclairage, certainement, j'imagine. Hein. Ah, on peut faire des choses amusantes, hein. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, hein. Donc on a ça dans ce dans alors il y a Blender 2.8 à mon sens pas mal de défauts, mais qui est quand même compensé par des qualités qui sont pas inintéressantes, hein. Donc on va dire que peut-être qu'au final ça va être un logiciel, une application qui va être intéressante. Avec des éléments qui sont sympas. Voilà. Donc je vous remercie de suivre tous ces SVM6. Donc je rappelle que prochain tuto, on passe à la modélisation du Concorde. Et puis donc par la même occasion, ben, je vous ferai voir ce que donne. On voit par exemple pour le Concorde justement, on va pouvoir utiliser justement les matcaps, avoir donc une couleur sympa qui va tout de suite donner le rendu réel de la couleur d'un avion, hein.
parce que c'est un blanc brillant, un blanc un peu gris brillant, hein, les trois quarts des avions, c'est ça. Donc là, on va pas s'amuser à faire des rendus avec ça. Donc je disais oui, et puis par la même occasion, je vous ferai voir la verrière de comment navette, hein, la navette spatiale. Et vous verrez, vous allez comprendre pour ceux qui suivent, hein, vous allez comprendre que c'est pas de toute simplicité, il y a vraiment pas mal de boulot sur la verrière pour arriver à la faire correctement. Voilà. Donc voilà, je vous remercie sur GM6, tous les nouveaux abonnés également, je vous remercie. Et puis bah, je vous invite à continuer, hein. Je vais donc travailler un peu plus maintenant sur Blender 2.8, puisque normalement à partir du mois de juillet, on devrait avoir une version stable. Donc je vais commencer à limiter les tutos sur la version de 79 de Blender et commencer à travailler plus des objets, des petits modèles, hein, des modèles simples pour refaire un petit peu mes playlists, puisque il y a des playlists qui vont être éliminées forcément, puisque on a des. J'ai commencé moi il y a quelques années avec Blender 2.76. Donc il y a des tutos bon, qui sont encore bons pour la modélisation, mais bon, ils sont quand même très anciens. Donc je vais quand même reprendre probablement certains tutos, les glaces, des petits modèles comme ça, simples à réaliser, qui vont être pour, pas franchement complètement débutants, mais pour des personnes qui ont déjà des petites bases. Voilà. Merci.